Bonjour les tricopines et les tricopins, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gulle pour réaliser une veste où j'ai mélangé le tricot avec le crochet. Tout ce qui est le corps de la veste est fait au crochet et tout ce qui est bordure est fait au tricot. Vous pouvez très bien vous continuer à faire des brides pour faire le contour, vous pouvez faire des brides en relief, en 3D, si vous n'avez pas envie de faire ce mélange. Vraiment, le mélange est sublime. Regardez. Tricot et crochet, les bordures au crochet. Donc, j'ai choisi deux laines différentes, c'est-à-dire la Loco et Cupidon pour les contours. Vous pouvez très bien faire en couleur unie, vous pouvez très bien faire comme moi, vous pouvez très bien utiliser la même couleur Loco que moi, mais faire une autre bordure avec d'autres couleurs que vous trouvez à l'intérieur de la Loco, c'est-à-dire comme c'est un mélange de plusieurs couleurs. Donc vous pouvez utiliser le bleu, le violet, les couleurs qui vous plaisent, ou vous pouvez tout simplement le faire au tricot, mais avec la même couleur que votre veste. Donc voilà, c'est vraiment vraiment très très simple, vraiment très simple à réaliser. Ce sont des brides, seulement des brides, et le tricot, c'est des côtes 1-1. C'est une taille 38-40, je vous l'explique dans la vidéo, vous pouvez vraiment le réaliser et l'adapter à toutes les tailles. Il suffit juste de prendre les mesures de votre corps, et ça je l'explique dans la vidéo. Il n'y a aucune complication. Et le rendu est vraiment magnifique. Je vais vous montrer le dos. Donc, voici le dos de la veste. Elle est vraiment, vraiment très simple à crocheter. Vraiment très, très simple. Et très agréable à porter. Donc, la taille de la veste que moi j'ai faite, elle fait 63 cm au total. Donc, au total, avec la bordure au tricot. Et j'ai à peu près 27 à 30 cm pour chaque demi-devant. Donc de toute façon, les mesures, je vous les donne au fur et à mesure dans la partie réalisation. Regardez, c'est vraiment, regardez, vous voyez, des brides. On fait seulement des brides et on obtient un résultat vraiment très 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 joli. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Prévoyez 4 à 5 pelotes de Loco, une pelote seulement de Cupidon si vous voulez faire le contour. Donc moi je crochète avec un crochet numéro 3,5 et je fais les bordures aussi avec une aiguille, avec des aiguilles à tricoter 3,5. Tout ça est expliqué dans la partie description. Donc voilà, si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de cette veste au crochet, donc crochet et tricot, j'ai voulu combiner les deux et donc j'ai utilisé la Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot et la Loco. Donc la Loco et la Cupidon, vous pouvez très bien utiliser comme moi ces deux couleurs, enfin prendre ces deux laines de façon à combiner. Et quand vous choisissez, regardez les couleurs que vous avez à l'intérieur. Vous avez un très joli turquoise, vous avez du violet. Et regardez, j'avais moi cette couleur un peu ici, un peu moutarde. Vous voyez, qui rejoint un petit peu cette couleur. Et comme j'en avais suffisamment de cette couleur. Comme vous savez, j'ai déjà fait un débardeur avec, j'ai fait une barbeteuse bébé, je crois. Donc il me reste encore 2-3 pelotes et j'ai voulu donc mélanger ces deux couleurs. Et j'ai déjà utilisé cette couleur pour faire un t-shirt très très simple au tricot. Donc les deux, c'est du 100% coton. Pour la Loco, vous avez pour 100 grammes 250 mètres. On nous dit que nous pouvons tricoter avec des aiguilles 3,5 ou 4,5. Moi, je vais utiliser un crochet numéro 4. Tout dépend de votre façon de crocheter. Si vous crochetez trop serré, optez plutôt pour du 4,5. Si vous crochetez trop trop lâche, optez plutôt pour du 3,5. Moi, je prends le milieu, c'est-à-dire un crochet, pardon, excusez-moi, c'est pas 4, c'est 3,5.
et demi parce que je l'ai fait avec du 4 aussi. Donc, pour avoir déjà utilisé cette laine, et comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très très agréable à tricoter, à crocheter. C'est un très très beau coton, vraiment. Le rendu est vraiment superbe. Vraiment, si vous avez envie de vous faire quelque chose avec du coton, avec des couleurs comme ça, vous avez plusieurs couleurs hein, dans la gamme. Vous pouvez très bien, vraiment, je vous conseille de la tester, d'utiliser, ne serait-ce que regarder. Vous pouvez voir dans mes vidéos, j'ai fait un t-shirt qui est ultra simple et j'avais utilisé, je pense, un peu de pelote, à peu près, je crois. Donc, vous pouvez réaliser ce t-shirt et tester cette laine qui est vraiment superbe et très, très agréable à porter. Et la laine Cupidon, donc, pareil, 100 grammes, 100% coton. Et là, nous avons plus ou moins 240 mètres. Et en pareil, aiguille numéro 3 et demi. La référence pour cette couleur, c'est la couleur numéro 8. Et celle-ci, c'est la S299. Donc, une pelote là vous suffira largement. Et pour la veste, je ne sais pas encore, je vous le dirai. Mais prévoyez 4 pelotes, ça devrait aller. Ça devrait suffire largement. Donc, moi, j'ai déjà commencé. Regardez comme c'est joli. Vous voyez tous ces passages de couleurs. Vraiment magnifique. Regardez, le rendu est très, très, très beau. Très doux. Vraiment une très bonne laine. Donc, j'ai déjà commencé à crocheter ma veste. Mais je vais bien sûr vous expliquer comment vous allez réaliser. Je voulais tout d'abord vous montrer. Regardez. Mélange. Donc, de crochet avec le tricot. Nous allons faire les bordures au tricot et le reste au crochet. Donc la bordure de devant, la bordure du bas et la bordure des manches avec la cupidon et aux aiguilles à tricoter et le reste au crochet. Donc pour réaliser cette veste, c'est très simple. Moi, je vais vous donner les dimensions que moi j'ai faites. Vous prenez vos mesures à vous, les tricopines et les tricopins, c'est-à-dire, vous prenez votre mètre, vous prenez la partie, comme je vous dis toujours, la plus forte de votre corps. Si ce sont vos hanches, votre ventre, pardon, ou vos seins, vous allez à la partie la plus forte. Ça, c'est pour le devant. Pour le dos, vous allez prendre votre mètre et vous allez le poser donc derrière par exemple au niveau de vos hanches et si vous avez un pantalon, une jupe, vous allez positionner le bout de votre mètre sur une couture et avec votre main comme ceci vous tenez à l'autre couture et vous regardez combien de centimètres ça vous fait. En fonction du centimètre que vous obtenez, par exemple pour ma part, au niveau moi, j'ai 51 cm. Donc, ça devrait correspondre aussi, vous voyez, plus ou moins à mon tricot. Mais comme je le veux un tout petit peu plus large, moi, je suis allée jusqu'à 55. J'ai rajouté 4 cm de plus. Et puis là, j'ai pris les mesures assises. Donc, vous mesurez. Et en fonction, pour le dos, hein, je parle pour le dos. En fonction de la largeur de votre hanche. Après, tout dépend de jusqu'à où vous voulez. Si vous voulez une veste qui arrive à votre taille, vous mesurez votre taille. Si vous désirez une veste qui arrive au niveau de vos hanches, vous mesurez vos hanches. Et en fonction du centimètre que vous obtenez, supposons comme moi 54, vous allez faire une chaîne, des mailles chaînettes de 54 cm, comme ceci. Vous mesurez et vous faites. Ensuite, regardez, c'est très simple. J'ai des petites grilles comme ceci. Très très important de commencer votre tricot avec des grilles comme ceci. Parce que c'est là que nous allons relever des mailles. Et ici, regardez, ce sont simplement des brides. Et regardez, on inverse une rangée de grilles, une rangée de brides, une rangée de grilles, une rangée de brides. C'est aussi simple que ça. Comme la laine est très jolie, très colorée, pas besoin de faire autre chose.
Choisissez vraiment la simplicité avec cette laine pour avoir, regardez, un très très joli rendu. Pour le devant, donc pour les demi-devant, moi j'ai pris, je vais vous dire combien de centimètres. J'ai fait 20 centimètres. Pourquoi 20 centimètres? Parce que je vais rajouter à peu près 4 centimètres de bordure au tricot. Donc vous, vous allez faire la même chose. Vous prenez par exemple le dos de votre veste. Vous mesurez le dos. Allez, on va faire un chiffre rond. Supposons que ça fait 60 cm. Un exemple. Supposons que ça fait 60 cm. Si vous divisez en 2, ça va vous faire 30 cm. 30 cm. Ce que vous allez faire, à ces 30 cm, vous allez enlever 3-4 cm. Par exemple, vous allez faire 26 cm. Vous allez mesurer 26 cm. Vous allez faire vos mailles chaînettes de 26 cm. Et ensuite, nous allons crocheter le devant de notre veste. Sachant que nous allons rajouter 3 à 4 cm de bordure au tricot. Donc, pour le devant, vous pouvez très bien, donc comme je vous ai dit, vous mesurez, vous pouvez très très bien prendre un pull, une veste que vous avez, que vous aimez, qui vous va très très bien, et vous faites exactement la même chose. Vous mesurez comme ceci, vous allez mesurer, et ensuite le résultat obtenu, vous le divisez par 2 et vous enlevez 3-4 cm et vous aurez la largeur de votre demi-devant. J'espère que j'ai été assez claire. Donc, je vous ai dit de monter vos mailles chaînettes. Donc, en fonction du centimètre que vous avez obtenu. Commencez par le dos, c'est plus simple. Donc, vous allez faire 50, 60, 65 cm comme ceci de mailles chaînettes. Alors, très très important, c'est de commencer avec des petites grilles, des petits carrés, je ne sais pas comment on appelle ça, comme ceci, regardez, ici, parce que nous allons relever des mailles pour faire la bordure du bas. Et aussi, regardez la partie devant, pareil. Nous devons avoir ces grilles tout le long de chaque demi-devant, de façon à relever les mailles aussi. Je vais vous montrer donc sur un petit échantillon. Je vais retirer ça pour que vous puissiez mieux voir. Vous faites donc autant de centimètres que besoin. Ensuite, vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Et vous allez venir piquer ici, là où vous avez tenu avec votre doigt. Et vous allez faire une bride. Deux mailles de séparation, un jeté. Vous allez passer, regardez. Une, deux mailles. Et dans la troisième, vous piquez. Et vous faites une bride. Une, deux mailles, un jeté. Et regardez. Donc, ne serrez pas trop comme je viens de faire. Faites-le assez souplement de façon à ce que vous puissiez, regarder une, compter et pouvoir piquer comme ceci à l'intérieur de votre troisième maille. Une, deux mailles chaînettes. Et là, je passe une, deux et je vais dans la troisième. Et je fais une bride. Une, deux. Une, deux mailles, je pique dans le troisième espace. Deux mailles. Une, deux, et je vais dans la troisième. Une, deux. Une, deux, et je pique dans le troisième, dans la troisième maille du bas. Une, deux mailles. Et une, deux, dans la troisième.
une, deux, et je vais piquer dans la troisième. Donc là, c'est vraiment un échantillon que je vous fais. Vous allez vous continuer tout le long de votre veste. Donc, tout dépend de combien de centimètres vous avez. Vous allez continuer comme ça votre premier rang. Deuxième rang, vous allez faire 3 mailles chaînettes. Pour monter, regardez, vous tournez. Et ici, vous allez faire 1, 2 brides dans l'espace ici. Et une bride ici, au sommet de la bride du rang précédent. Comme ceci. Ici, dans cet espace, nous allons faire 2 brides. Ce sont des brides simples. 2 brides. Et au sommet de notre bride ici, au milieu, on va faire une bride. Donc, dans l'espace suivant, 2 brides. Et au sommet de notre bride, on fait encore une bride. Dans l'espace, 2 brides. 1, 2. Au sommet ici, une bride. Donc, vous voyez, comme ceci, on continue. Alors, le dos, les deux demi-devants se crochettent exactement de la même façon. Deux brides dans l'espace, ici, une bride au sommet ici de notre bride du rang précédent . Alors juste le petit détail, les deux demi-devants se tricotent à l'identique. Nous n'avons pas de côté droit, nous n'avons pas de côté gauche, pour la simple et bonne raison qu'on ne fait pas de diminution pour l'encolure et on ne fait pas de diminution pour les manches, pour l'emmanchure. Donc les deux se crochettent exactement de la même façon, ainsi que le dos. Donc, quand vous arrivez ici, à la fin, vous allez faire, regardez, 1, 2 mailles et vous allez venir piquer dans cet espace et faire une bride. Parce que cette partie-là, celle-ci, c'est la partie qui va venir devant notre gilet, c'est-à-dire, regardez, quand je dis devant, c'est côté encolure, ici. Vous voyez, ici, de façon à pouvoir relever des mailles, beaucoup plus simple de relever des mailles ici, vous allez voir. Donc, vous continuez tout le long comme ceci. On tourne, j'ai fait 5 brides et je tourne. Et là, je viens piquer ici, regardez, au sommet de ma bride ici. Pas la première, la deuxième. Et je fais une bride. Vous voyez ici, il faut toujours que nous ayons des petites grilles comme ceci, des petites cases, de façon à relever nos mailles tout à l'heure pour le tricot, pour la bordure. Donc, maintenant, je passe 1, 2 espaces et je fais une bride. Comme j'ai fait pour le tout premier rang. 1, 2 mailles chaînettes. 1, 2 mailles, je pique dans la troisième, 1, 2 mailles chaînettes, 2 mailles, je passe et je pique dans la troisième. Une, deux, et je pique dans la troisième, 1, 2 mailles chaînette et je passe 1, 2 et je vais dans le troisième espace. 1, 2
une, deux, et je pique dans le troisième espace. Alors, de temps en temps, vérifiez que vous ayez toujours le même nombre de cases ici, regardez. Et en haut, il faut que vous ayez le même nombre. Une, deux, je passe trois, je passe deux mailles et je pique dans la troisième et je fais une bride. Deux mailles. Et ici, regardez, une, deux et je pique. Vous avez le choix entre venir piquer au sommet ici de votre maille ou alors directement à l'intérieur comme moi, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Donc, une, deux, trois mailles chaînettes. Et ici, regardez, dans cet espace, je vais venir faire deux brides. Au sommet, ici, une bride. Dans la case ici, deux brides. Et ici, une bride. C'est aussi simple que ça. Vraiment, tout le monde peut le réaliser, même les débutantes. Très, très simple. Deux brides dans la case, comme ceci. Une ici au sommet. Regardez, je pique et je fais une bride. Vous allez répéter ces deux rangs jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Si vous voulez une veste assez longue, vous pouvez aller jusqu'à 70 cm. Si vous voulez une veste pas trop longue, vous pouvez aller jusqu'à 50-55 cm. Donc je continue. Une bride dans notre case ici. Deux brides, pardon. Une, deux brides dans l'espace ici. Et une bride ici au sommet. Une bride ici. Et une bride au sommet. Et ici, regardez, quand on arrive à la fin de ce côté-ci, on fait deux mailles et on vient piquer dans l'espace comme ceci, dans le vide. Vous voyez? Donc, un côté, on doit avoir ces cases tout le long. Tout le long jusqu'à ce que nous ayons la hauteur souhaitée. Nous avons commencé avec des cases comme ceci, nous allons terminer avec des cases pour pouvoir assembler. Je vous montre. Donc, ici, regardez, vous voyez au niveau des épaules, tout ça, je vais vous le montrer. J'ai tricoté un côté, je l'ai essayé. Donc, avant de vous proposer, moi, je fais donc un côté, je l'essaye et si ça tombe bien, je vous fais la vidéo pour que voilà, il n'y ait pas de soucis par la suite. Donc les deux côtés, vous allez voir, se tricotent exactement de la même façon, il n'y a pas de difficulté. Donc, vous allez terminer avec une série aussi de cases. Si vous voulez savoir le nombre de cases que moi j'ai, excusez-moi, j'appelle ça des cases parce que je ne sais pas vraiment comment ça s'appelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15 pour le demi devant. 15 cases et pour le dos. Et pour le dos, vous allez faire exactement de la même façon. Par contre, le dos, ça n'a pas d'importance. Ici, comme on ne va pas relever des mailles, nous allons juste assembler. Donc, vous pouvez crocheter. Ici, regardez, vous n'êtes pas obligé de faire attention à avoir des cases comme ceci tout le long de votre tricot. Le dos, vous faites comme ici, regardez. Vous, quand vous avez commencé votre rang avec 3 mailles chaînettes, 2 brides, dans la case, une bride au sommet de la bride, deux brides dans la case, ainsi de suite. Et vous terminez votre rang pareil avec deux brides ici au milieu et une bride ici au sommet. Vous terminez de la même façon pour le dos. Ça n'a absolument pas
Vous voyez, comme ceci. Pour le 2, ça n'a pas d'importance parce que nous allons simplement assembler les demi-devants avec le dos. Donc, le dos, je vais vous dire le nombre de grilles que j'ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. J'ai 37 cases pour le dos. Donc, si vous voulez faire comme moi, taille 38, 40, vous pouvez utiliser comme moi le même nombre de cases ou de grilles. Enfin, voilà. Donc, vous continuez à crocheter, regardez, vous faites un rectangle, vous crochetez jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Alors, où est mon mètre pour que je puisse vous donner la hauteur de ma veste? J'ai à peu près 65, je crois, centimètres. Donc, je mesurerai correctement et je vous dirai ça. Donc, vous allez crocheter vos deux demi-devants et votre dos exactement comme je viens de vous montrer. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez terminé, je vais vous montrer comment vous allez assembler les épaules et le côté, nous allons l'assembler après. Donc, on assemble tout au crochet. Une fois que vous avez terminé, donc, et que moi je termine aussi, nous allons assembler les épaules. Une fois que nous avons assemblé les épaules, nous allons relever ici des mailles pour faire notre manche. Nous allons relever des mailles et nous allons crocheter notre manche. Une fois que nous avons terminé notre première manche, on va faire la même chose pour notre deuxième manche. Nous allons relever des mailles et on va faire notre deuxième manche. Une fois qu'on a terminé, nous allons assembler les côtés de chaque côté. Et ensuite, nous allons relever des mailles ici au niveau du bas pour faire notre bordure au tricot. Et une fois que nous avons terminé, nous allons relever des mailles devant, tout le long devant comme ceci. Au niveau du col arrière et devant, nous allons relever nos mailles au tricot et nous allons faire la bordure de devant. Donc, vous allez crocheter et pour être sûr que vous avez la même longueur devant et derrière, n'hésitez pas à compter vos rangs comme ceci, vous voyez, de façon à avoir les mêmes rangées devant pour le dos et pour les demi-devants. Et on se retrouve donc ensuite pour faire pour la. Une fois que j'ai terminé, regardez mon demi-devant. Donc j'ai compté le nombre de rangs et ça correspond exactement au même nombre que le dos. Et j'ai terminé avec une rangée, comme je vous ai dit, de petites cases ou de grilles. Et donc je vous avais dit que le côté où nous avions que des cases, nous devons le mettre sur le devant, donc ça va être la bordure devant, côté boutonnière si vous préférez. Donc vous prenez, regardez ici, comme moi j'ai déjà assemblé, vous voyez l'envers est ici face à moi. Donc vous positionnez comme on tricote, on tricote pas en aller-retour, mais comme nous, on crochette, pardon, comme on tourne, comme ceci à chaque fois, on n'a pas d'endroit, on n'a pas d'envers. Regardez, le résultat est presque pareil partout. Donc, je prends et je compte le nombre de grilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 cases et je vais compter la même chose au niveau du dos en partant ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, et je vais commencer, regardez, je rentre dans la dans l'espace qui est derrière et je fais une maille serrée. Dans chaque espace, regardez, je fais une maille serrée. Je passe, regardez, les deux cases qui suivent, je les superpose et à l'intérieur, je fais une, deux mailles serrées. Et je passe à l'espace suivant et je fais deux mailles serrées. Exactement, regardez, comme j'ai fait ici. Je vous montre le résultat. Et on continue. Vous pouvez, si vous désirez, regardez, prendre une ici, une sur la brique de derrière et faire une maille serrée à ce niveau-là aussi. Je vais voir si j'ai fait ça de l'autre côté ou pas. Oui, je l'ai fait, donc on le fait aussi. C'est, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. Une, deux mailles serrées dans l'espace ici et une, regardez, je pique ici et derrière, dans la maille de derrière et je fais une maille serrée. Maintenant, dans l'espace ici, je fais deux mailles. Une, deux. Donc ici, regardez, au sommet de notre bride et la bride de derrière. Donc, et je fais une, deux mailles serrées dans cet espace. J'espère que vous arrivez à voir. Ici et derrière. Une, deux mailles dans l'espace qui suit. Ici, au sommet de mes brides, je rentre, regardez, d'abord dans la bride qui est face à moi, ensuite celle qui est derrière, et je fais une maille serrée. Et là, j'en fais une, deux. Et on continue. Et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin. Une fois que j'ai terminé, je vais couper ma laine. Et ensuite, on va relever des mailles pour faire la manche. Donc, vous allez continuer à assembler de cette façon-là. Une fois que vous avez assemblé votre une partie, vous assemblez votre deuxième demi devant, comme ceci. Et ensuite, on se retrouve donc pour faire les... Une fois que nous avons terminé d'assembler, on prend notre tricot comme ceci. Et on va calculer à peu près... Là, c'est la partie que nous avons assemblée, l'épaule. Et on va calculer une vingtaine de centimètres, pardon, en partant d'ici. On va calculer une vingtaine de centimètres pour faire notre manche. Donc, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça doit nous faire... à peu près, que je regarde bien, normalement on doit être ici, regardez, pour notre manche. Donc moi, comme j'ai déjà, je vais mettre ça comme repère ici, comme j'ai déjà fait ma première manche, donc pour que ce soit pareil, je vais compter.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai fait 17 rangs. Donc, je prends ma manche qui est comme ceci, regardez. Et je vais compter 17 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ici, je vais attacher ma laine. Comme ceci, regardez, je fais une maille serrée et ensuite je fais deux mailles chaînettes. Et dans le même espace, je vais faire deux brides. Une, deux, avec les trois mailles ici, trois mailles chaînettes, ça nous fait trois brides. Maintenant, regardez, ici nous avons nos brides comme ceci. Et ici, je vais faire encore trois brides, regardez. Dans ce groupe de brides ici, je refais une, deux, trois brides simples. Et dans l'espace qui suit, ici, trois brides simples. Dans chaque espace, dans chaque début de rang, si vous préférez, je fais trois brides. Regardez. Ici, vous voyez, ici, trois brides. Une, deux, donc ce sont des brides simples. Trois. Dans cet espace qui suit, ici, trois brides. Donc, vous pouvez descendre encore d'une bride. Votre, si vous avez une taille plus, comment dire, plus grande que la mienne, vous pouvez descendre encore de deux rangs pour faire votre emmanchure, pour faire vos manches plutôt, trois brides, et je viens dans cet espace ici où j'ai la bride et je fais trois, une, deux, trois brides dans cet espace, trois brides. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir, c'est très simple et très très classe. C'est vraiment le mot. Et je continue. À faire trois brides en début de chaque rang. Quand je dis en début de chaque rang, c'est ici, regardez. Là, c'est un rang. Je fais trois brides. Une, deux, trois. Ici, regardez. C'est un rang. Et ici, regardez, juste après ma première bride qui est ici, je rentre dans l'espace et je fais trois brides. Vous voyez, nous sommes comme ceci. Je vais vous montrer. Ici, regardez, c'est très très simple. Nous avons assemblé. Je vais aller jusqu'à là-bas. Et trois brides dans chaque espace. Dans l'espace suivant, trois brides. Je vais vous montrer. Dans l'espace ici, regardez, trois brides, une, deux, trois.
Et ici, regardez, la partie où nous avons assemblé ici, je vais faire 3 brides ici. Et juste après, dans l'espace ici, regardez, je vais faire 3 brides. Donc, vous allez terminer votre rang ainsi. Vous allez faire 3 brides dans chaque, regardez, début de rang. Moi, je le dis comme ça. Vous allez continuer et vous allez descendre jusqu'à exactement la même chose, 17 rangs. Après, là, c'est là où nous avons assemblé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça correspond ici, regardez. Vous allez continuer à faire 3 brides dans chaque début de rang, comme ceci. Et ensuite, on va se retrouver pour... Donc, je suis arrivée à la fin du rang et je tourne. Et maintenant... Nous allons commencer à regarder. J'ai fait 4 mailles chaînettes, exactement comme nous avions fait pour le reste. Et je passe. 1, 2, 3, et je viens dans la quatrième. Faire une bride. Ensuite, 2 mailles, et je passe. 1, 2 espaces, regarde, 2 mailles, pardon, et je fais une bride dans la troisième. Une, deux mailles chaînettes, une, deux, et dans la troisième, je fais une bride. Une, deux, regardez, une, deux, et je pique dans la troisième maille, exactement comme nous avions fait jusqu'à présent. Une, deux, une, deux espaces, et dans la troisième, je fais une bride simple. Deux mailles, et une, deux, dans la troisième, je fais une bride. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la fin du rang, et on va se retrouver sur l'endroit, et nous allons faire au total 4 diminutions, c'est-à-dire, nous allons faire une diminution, de chaque côté, nous allons tricoter quelques rangs et nous allons faire encore une diminution. Et ensuite, on va continuer à crocheter, pardon, exactement comme nous avions fait jusqu'à maintenant. On répète ces 2 rangs. Je termine mon rang et ensuite... Donc, j'ai continué à crocheter et j'ai fait, regardez, donc... Voilà. J'ai refait une rangée de brides et une rangée de grilles ou de cases. Et maintenant, nous allons faire notre première diminution. Au total, j'ai 1, 2, 3, 4 rangées. Ça, c'est notre rang de brides. Alors, je fais 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes. 4 mailles chaînettes. Un jeté, et je viens, regardez, je passe cet espace qui est là, et je viens piquer au sommet de la première bride. Et je fais une bride. Ainsi, vous voyez, nous avons fait une diminution. Nous avons supprimé une case, et maintenant, je continue à faire 2 brides. Dans chaque espace, une bride au sommet. Je vais faire moi seulement 2 diminutions, c'est-à-dire 2 rangées de diminutions. Là, nous en avons fait une. Je vais en refaire une autre. Donc, je continue. Une bride au sommet de la bride ici et 2 dans l'espace. On continue à crocheter et je vais vous montrer la diminution pour ce côté-ci.
Donc, terminez votre rang, je vais terminer aussi et on va faire la diminution pour la fin du rang. Je suis arrivée à la fin du rang, regardez. Donc, j'ai fait deux brides dans cet espace et logiquement, je dois faire une bride dans cet espace-là. Moi, ce que je vais faire, je vais aller directement à l'intérieur de cet espace comme ceci et je vais faire ma dernière bride à l'intérieur de façon à, vous voyez, ne pas faire une coupure droite. Et je fais 1, 2, 3, 4 mailles chaînettes et je tourne. Et maintenant, je refais exactement la même chose. Regardez, je passe pour le premier. Regardez, j'ai ma bride ici, une, deux espaces, et je fais une bride dans la troisième, deux chaînes. Et une, deux espaces, et je pique dans la troisième. Vous allez continuer votre rang ainsi. Donc, vous continuez et ensuite, nous allons refaire encore une diminution et moi, je vais m'arrêter là. Donc, je vais vous dire combien de rangs je vais tricoter avant de faire la deuxième rangée de diminution. De toute façon, je reprends la vidéo et on fera ensemble. Donc, pour l'instant, on continue à faire nos petites cases. Donc vous continuez et je reprendrai la vidéo. Alors, j'ai repris pour vous montrer ici, là où nous avions fait notre diminution. Regardez, vous allez faire deux mailles chaînettes, pardon, et ici dans cet espace. Vous n'allez pas venir piquer au sommet ici de votre bride. Vous allez venir dans cet espace faire une bride comme ceci. Vous voyez, de façon à ce que nous ayons fait notre diminution de façon assez discrète. Et trois mailles chaînettes et on tourne. Et maintenant, nous allons faire que des brides. On continue donc à faire notre rangée de brides. Une fois que vous avez fait votre rangée de brides, vous allez faire une rangée de petites cases. Et ensuite, on va se retrouver pour notre rangée de brides pour faire notre diminution. Donc, je suis arrivée à la fin de mon rang. Comme je vous l'avais dit, j'ai fait un rang avec des brides, un rang avec des cases. Et maintenant, nous allons faire encore une diminution. Je monte, regardez, avec 4 mailles chaînettes et je tourne. Et je fais exactement comme j'ai fait ma première diminution. Cet espace, je passe, je vais directement regarder au sommet de la bride qui est ici. Pas la première, donc la deuxième. Et je fais, et maintenant je continue à faire une série de brides. Donc tout le long, on va faire des brides. Donc, on continue à faire nos brides et je reprends la vidéo pour vous montrer la diminution en fin de rang. Encore une fois, donc, vous continuez. Et on se retrouve, je suis à la fin du rang pour la deuxième diminution et je fais, regardez, dans mon espace ici, l'avant-dernière case, j'ai fait deux brides. La troisième bride, je dois la faire ici. Mais là, regardez, je vais venir la faire dans le dernier espace, comme ceci. 4 mailles chaînettes et je tourne et je continue maintenant à faire, regardez,
mets, bride, comme ceci. Donc, j'espère que c'est compris. Vous allez continuer ainsi. Vous allez faire autant de diminutions que vous souhaitez tous les quatre rangs. Vous pouvez vous arrêter à deux diminutions de chaque côté. Vous pouvez continuer à en faire. Tout dépend de la largeur de la manche que vous souhaitez. Non, là je me suis trompée, c'est pas des brides, c'est des petits carrés que je dois faire. Une, deux, troisième, deux mailles, une, deux, troisième, dans le troisième espace. Voilà, vous allez continuer votre manche ainsi. Regardez, vous pouvez très bien prendre votre pull, l'essayer, votre veste par exemple, par exemple. L'essayer, regardez, vous regardez en haut de votre manche et en fonction de ce que vous désirez, regardez là, c'est très très large. Donc vous pouvez continuer à faire des diminutions de façon à avoir une manche pas très très serrée comme moi ici. Moi, ce que j'avais fait de ce côté-ci, j'avais fait une diminution chaque rang. À chaque rang, j'avais fait une diminution et ensuite j'ai continué à crocheter, regardez, sans faire de diminution. Donc j'en avais fait une, deux, trois, quatre, quatre, ça fait huit diminutions de chaque côté, vous voyez, comme ceci. Et vous, je vous ai montré comment faire des diminutions tous les quatre rangs. Si vous trouvez que c'est trop trop large, vous pouvez faire une diminution tous les deux rangs. C'est-à-dire, vous faites un rang de brides, un rang, donc on a commencé avec une rangée de brides, un rang de petites cases, et ensuite, vous pouvez commencer à faire votre première diminution. Vous faites un rang de brides avec diminution, un rang de carrés, et tout de suite après, quand vous repassez à vos brides ici, vous refaites une diminution jusqu'à ce que vous arrivez à la largeur que vous souhaitez. Si vous désirez une manche assez longue, assez large, vous faites cette méthode. Si vous désirez une manche moins large, au lieu de faire tous les 4 rangs comme je viens de vous montrer, 1, 2, 3, vous voyez 4 rangs, vous faites à chaque rangée de brides, vous faites une diminution de façon à resserrer rapidement votre manche ou alors vous pouvez tout le long de votre manche tricoter 3 rangs et au quatrième rang faire une diminution. Vous tricotez 3 rangs, au quatrième rang, au rang de bride, vous faites une diminution de chaque côté aussi. Vous pouvez très bien faire cette méthode aussi. Alors, une fois que vous avez terminé vos deux manches, je vous avais dit de terminer avec des petites cases comme ceci, des petits carrés, de façon à pouvoir relever facilement nos mailles. Donc, vous crochetez vos deux manches à l'identique. Vous faites vos diminutions tous les quatre rangs jusqu'au bout. Alors moi, je vous avais dit, vous faites tous les quatre rangs. Moi, je vous avais dit que j'allais faire seulement deux diminutions de chaque côté. Et je me suis aperçue que ma manche était trop large. Donc, j'ai fait mes diminutions. Donc, soit tous les deux rangs, comme je vous avais expliqué, soit tous les quatre rangs. Si vous faites tous les quatre rangs, vous pouvez descendre jusqu'en bas. Donc au fur et à mesure que vous allez crocheter, vous essayez la largeur comme ceci autour de votre bras, et une fois que vous avez atteint la largeur que vous souhaitez, vous arrêtez de faire vos diminutions et vous continuez à crocheter normalement. Regardez, c'est vraiment vraiment très simple. Donc une fois que vous avez terminé, nous n'allons pas assembler les manches. Nous allons d'abord relever nos mailles et faire notre bordure. Si on assemble les manches et qu'on fait la bordure après, ça va être un peu plus compliqué, c'est-à-dire il va falloir tricoter en aiguille circulaire. Alors nous, on ne va pas se compliquer la tâche, on va vraiment, voilà, on laisse comme ceci. On va relever des mailles et nous allons tricoter ces mailles en côte 1-1. Et une fois que nous avons terminé, c'est seulement
à ce moment-là que nous allons assembler nos manches des deux côtés pour pouvoir faire la bordure du bas. Alors, pour la longueur de la manche, vous mesurez au fur et à mesure que vous crochetez, vous prenez votre veste, vous le passez sur vous et vous voyez par rapport à la longueur. Moi, je vais quand même vous donner la longueur que moi j'ai faite. Il faut savoir que vous allez laisser 4 cm avant d'arriver à votre poignet ici. 4, 5 cm, tout dépend de la bordure que vous souhaitez. Alors, regardez, la partie où j'ai commencé, jusqu'ici, j'ai 37 cm, auquel je vais rajouter 4, 5 cm de bordure. Vous prenez l'endroit de votre travail. L'endroit, c'est-à-dire, regardez, ici, là où nous avons assemblé les épaules, c'est là. Donc, vous tournez, vous prenez l'endroit. Nous allons passer à nos aiguilles. Moi, je vais faire la bordure avec des aiguilles numéro 3 et demi. Voilà. Ne vous trompez pas. Prenez bien votre manche. Ne prenez pas le demi devant. Voilà. Et nous allons... Alors, déjà, je vais passer ma laine à l'intérieur et je vais faire un nœud. Comme ceci. Et ensuite, je vais faire, regardez, comme si je tricotais normalement. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous voyez, de façon à relever trois mailles par espace. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Alors, le fait qu'on tricote ces mailles à l'endroit ou à l'envers, vous allez voir, ça n'a pas d'importance parce qu'une fois que je serai sur l'envers, je vais continuer à tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Le fait de faire une maille à l'endroit, à l'envers, ça nous permet de bien faire tenir nos mailles. Parce que regardez, si je fais toutes mes mailles à l'endroit, vous voyez, j'ai pas le même rendu. C'est juste pour ça. Une maille à l'endroit, vous passez votre fil face à vous, une maille, attendez, je suis là. Une maille à l'endroit, vous passez votre fil face à vous, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Vous passez dans l'espace suivant, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Si vous trouvez que c'est trop large, vous pouvez faire par exemple une maille à l'endroit, une maille à l'envers, par endroit, par case, de façon à resserrer légèrement. Donc ici, j'ai fait seulement deux mailles. Dans l'espace qui suit, je vais faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Dans l'espace ici, pareil, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça va me faire une soixantaine de mailles. Donc, si vous trouvez que 60 mailles, c'est trop, vous pouvez, comme je vous ai dit, enfin, tout dépend, vous, bien sûr, de la largeur de votre manche. Comme je viens de vous le montrer, de temps en temps, vous pouvez faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, que seulement deux mailles dans cet espace et passer dans l'espace suivant en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, vous pouvez alterner, faire deux mailles dans un espace et trois mailles dans l'autre. Alors, je passe à l'espace suivante. Regardez, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je passe à l'espace suivante, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, vous voyez à peu près la largeur que vous souhaitez. Je ne sais pas combien de mailles j'ai ici. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, j'ai une cinquantaine de mailles. Alors,
Ce projet, je l'avais commencé il y a quand même pas mal de temps, les tricopines, et comme j'ai pas eu assez de laine, j'ai commandé la laine entre-temps, donc je suis passée à un autre projet. C'est pour ça que par moment, je sais plus le nombre de mailles que j'ai faites. Parce que des fois, je laisse de côté un projet, j'en fais un autre, et c'est pour ça que j'ai tendance, des fois, quand je le reprends, à avoir des hésitations. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Dans l'espace suivant, je vais faire deux mailles, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Donc, vous pouvez faire comme ceci, vous pouvez faire. Enfin, tout dépend de la largeur du poignet que vous souhaitez. Donc, moi, par exemple, deux cases, dans deux cases, je fais trois mailles. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. La troisième case, j'ai fait seulement deux mailles. Vous voyez, une, deux, trois, une, deux, trois. Et la case ici, je vais faire seulement deux mailles. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Regardez, en faisant une maille à l'endroit, une maille à l'envers, vos mailles s'adhèrent très très bien à votre manche, à votre crochet. Et là, je vais faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc ça tape un peu sur la table, je vais mettre la pelote. Dans l'espace suivant, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Dans l'espace suivant, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. J'espère que c'est assez simple. C'est vraiment comment dire, c'est très très simple. Et puis ce mariage de tricot et de crochet, moi perso, j'adore. Et je termine avec une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Voilà la manche et je tourne. Alors, si vous pensez que vous avez trop 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 de mailles ici par exemple et que vous voulez resserrer, vous êtes sur l'envers. Sur l'envers, n'hésitez pas à tricoter. Par exemple, vous faites deux mailles, vous tricotez deux trois mailles à l'endroit, vous faites deux mailles ensemble, deux trois mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, de façon à resserrer votre poignet si vous désirez. Si vous trouvez que le nombre de mailles correspond bien à ce que vous voulez, vous laissez tel que. Si vous laissez tel que, vous allez commencer à tricoter en côte 1-1. Je tricote ma première maille, donc c'est la maille pour la couture, et une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Parce que moi, je pense que ce nombre de mailles correspond à ce que je veux. Je ne vais pas faire de diminution. Et je vais tricoter une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Si vous, vous vous retrouvez avec trop de mailles, donc ici sur l'envers, profitez-en pour faire des diminutions pour arriver au nombre de mailles que vous souhaitez. Donc moi je tricote une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Alors, ce qui est génial avec le tricot et le crochet, à partir du moment où nous n'avons pas de point fantaisie, vous pouvez l'ajuster tout le temps de votre tricot. Vous pouvez ajuster votre tricot, c'est-à-dire votre pull, ce que vous tricotez, votre débardeur, au fur et à mesure, vous pouvez toujours l'adapter et ne pas vous dire, oh là là, c'est trop large. Donc, si c'est trop large, vous prenez vos mailles, quelques mailles deux par deux. Si, par contre, si vous trouvez que c'est trop serré, n'hésitez pas à faire quelques augmentations. Donc, moi, je tricote mes mailles
Donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Excusez-moi si je me répète. Vous pouvez aussi, par exemple, si vous trouvez que c'est trop large, changer le numéro, changer d'aiguille, prendre un numéro en dessous desquels avec des aiguilles avec lesquelles vous tricotez. Et maintenant, je vais continuer à tricoter mes mailles. Regardez, mes mailles à l'envers, je les tricote à l'envers. Mes mailles à l'endroit, je les tricote à l'endroit. Mes mailles à l'envers, à l'envers. Donc en côte 1-1. Donc envers, endroit, envers, endroit. J'ai une petite erreur là, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais rectifier ça tout de suite. N'hésitez pas. Voilà. Je reviens en arrière. Je crois que je n'ai pas fait attention. Alors, j'ai une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Donc, en parlant, j'ai dû faire deux mailles à l'endroit. Envers, endroit, envers, endroit. Alors, je vais voir. Je passe ma maille lisière et je tricote les mailles comme elles se présentent. Et je vais continuer pendant à peu près 4 cm à 5 cm en côte 1-1. Et ensuite, je vais rabattre mes mailles. Une fois que j'ai terminé ma première manche, je vais faire exactement la même chose pour la deuxième manche. Vous n'hésitez pas à compter le nombre de mailles que vous avez et vous allez relever le même nombre de mailles pour votre deuxième manche. Vous faites la bordure de votre deuxième manche, regardez, en côte 1-1, et vous rabattez. Une fois que vous avez terminé les deux, je vais vous montrer comment nous allons assembler au crochet donc nos manches et le col. Une fois que vous avez terminé votre manche, maintenant nous allons assembler. Regardez. J'ai tricoté pendant à peu près 4 cm. Vous pouvez faire plus. Regardez, je n'ai pas coupé ma laine. Maintenant, avec l'aide de mon crochet, je vais passer à l'assemblage. Vous prenez comme ceci, regardez. L'envers sur l'envers. Vous voyez, ça c'est l'envers. Et là, l'endroit. Et nous allons comme ceci, regardez. Vous pouvez très bien coudre. Si vous n'aimez pas faire avec votre crochet, vous prenez une aiguille à laine et vous pouvez coudre. Voilà, regardez, je passe dans chaque maille comme ceci et je fais une maille serrée. Face à face comme ceci et je fais une maille serrée. Une fois devant, regardez, je rentre derrière dans la maille et je fais une maille serrée. Alors, on peut éventuellement, quand vous tricotez, vous faites du tricot, vous pouvez aussi assembler avec le crochet de cette façon si vous n'aimez pas faire de couture. Ici, en face, comme ceci. Je vais vous montrer. Vous voyez, nous avons un très joli rendu.
Maintenant, je vais couper ma laine et je vais passer à la laine de mon pull. Ici, regardez, je garde ici ma maille et je continue. Je rentre dans l'espace, je prends mon crochet et je fais une maille serrée. Vous prenez tous vos bouts de laine comme ceci. Vous les passez derrière et on va... Voilà. Vous les prenez comme ceci le long de votre manche et... Je rentre dans l'espace, je fais une maille serrée. Ici, dans l'espace qui suit, exactement comme nous avions fait pour les épaules. Et on fait une maille serrée. En même temps, regardez mes mailles qui sont derrière. Je vais les cacher. Mes laines, pardon, mes bouts de laine qui sont derrière, je vais les cacher. Je rentre dans cet espace et je fais une maille serrée. Je rentre dans l'espace suivant, une maille serrée. C'est vraiment très très simple. Et maintenant, regardez, dans l'espace qui suit, et ici, je rentre et je fais une maille serrée. Dans chaque espace, je fais deux mailles serrées. Vous voyez les tricopines. Si vous trouvez que ça tire, vous pouvez faire trois mailles serrées. Si vous trouvez que c'est bien, ça vous convient, vous faites deux mailles serrées. Dans chaque espace, comme ceci, vous voyez, c'est très 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 simple. Et on continue, une, deux mailles serrées, et je passe, regardez, là où j'ai mes brides, au milieu comme ceci, regardez, de la bride ici, dans le vide, je rentre et je fais une maille serrée, regardez, dans l'espace ici, et dans l'espace derrière, et je fais une maille serrée. Et je fais pareil pour l'espace suivant. Vous voyez, j'ai un rendu qui est pas mal, qui ne tire pas. Et regardez l'assemblage sur l'endroit. Vous voyez, on ne voit même pas. Nous avons vraiment un très joli rendu. Vous allez continuer ainsi, tout le long. Regardez. Vous êtes bien envers, face à vous, endroit du travail, sur l'endroit. Regardez. Là, c'est où nous avions assemblé notre épaule. Donc, vous positionnez et vous suivez bien, comme ceci, vos espaces. Regardez. Les brides sur les brides, les petites cases sur les cases, comme ceci. Et vous allez continuer tout droit à assembler comme ceci. Une fois que vous avez terminé votre manche, vous allez assembler comme ceci les deux côtés. Une fois que vous avez terminé, vous allez faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va se retrouver. Je vais vous montrer comment on va relever les mailles pour le bas de notre veste ici, c'est exactement comme pour les manches. Nous allons relever exactement les mailles comme pour les manches, mais je vais vous montrer quand même un petit peu. Une fois, regardez, nos deux manches et le corps assemblés des deux côtés, nous allons pouvoir passer à la bordure du bas. D'abord, notre bordure du bas, ensuite, les
devant. Donc, on fait exactement comme on a fait pour notre manche. On prend notre laine. On passe, regardez, dans la case ici. Et je vais faire un nœud. Vous faites un nœud. Et ensuite, on prend notre aiguille. Alors moi, mes aiguilles, elles sont toutes petites. Elles ne sont pas très longues. Et regardez, je vais relever quand même pas mal de mailles. Alors, pour le bas, tout dépend de ce que vous désirez. C'est-à-dire, si vous voulez style blouson, il va falloir serrer un tout petit peu. C'est-à-dire que, comme nous avions fait pour les manches, on peut faire une, deux, trois cases avec... On peut relever trois mailles. La quatrième, deux mailles. Trois cases, deux mailles, trois mailles. Quatrième case, on peut faire deux mailles. Ou alors, vous pouvez faire deux cases, on relève trois mailles, une case, deux mailles. Deux cases, on relève trois mailles. La troisième case, on relève deux mailles. Ou alors, si vous voulez le style vraiment laisse, veste droite, vous relevez trois mailles dans chaque petite case. Et regardez, on prend une maille. Une maille. Je passe mon fil face à moi. Une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Dans la case suivante, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Dans la case suivante, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Il faut tenir en compte aussi que le point mousse, les côtes 1-1, regardez, ça resserre aussi légèrement. Donc moi je vais laisser comme ça, je vais relever 3 mailles dans chaque maille, dans chaque case, pardon, et peut-être pour 1, 2, 3, 4, 5e case. Trois mailles à l'endroit. Donc, si vous voulez vraiment un truc, une veste droite, vous faites exactement comme ceci. Si vous voulez serrer, mais vraiment serrer style blouson, à ce moment-là, vous faites trois cases avec trois mailles. La quatrième case, vous faites deux mailles. Trois cases avec trois mailles et la quatrième case avec deux mailles, c'est-à-dire, regardez, donc une maille à l'endroit, une maille à l'envers, voilà. Ici, 3 mailles. Ici, nous avons relevé que 2 mailles. Et je passe. Regardez dans l'espace suivant, ici, et je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Très important de faire la maille à l'envers, de façon à ce que, regardez, ça tienne bien sur votre aiguille. Vous allez continuer donc ainsi jusqu'à la fin, ici. Une fois que vous arrivez à la fin, vous tournez et vous tricotez vos mailles en côte 1-1. Vous faites vraiment la hauteur que vous souhaitez. Ça peut être 5 cm, ça peut être 6 cm. Vous faites en côte 1-1 pendant minimum 5 cm. 5 cm, ça va être joli. Et ensuite, vous rabattez toutes vos mailles. Et une fois que nous avons terminé, nous allons relever des mailles pour le devant, le col et notre deuxième devant, et tout ça sur la même aiguille avec des aiguilles droites. Si vous avez des aiguilles circulaires, c'est parfait. Ou alors, si vous avez des aiguilles droites beaucoup plus longues, donc moi je vais passer à mes aiguilles droites beaucoup plus longues parce que mes aiguilles circulaires sont sur un autre projet. Donc voilà, vous continuez, vous faites vos 5 cm en côte. Alors, j'ai terminé, j'ai fait à peu près 5 cm de bordure. Maintenant, je vais relever des mailles pour le demi-devant. Je vais vous montrer comment relever nos mailles au niveau ici de notre tricot. Le reste, on va continuer exactement de la même façon. Regardez, quand je suis arrivée au bout, je n'ai pas coupé ma laine. Donc, et je vais, regardez, rentrer
dans chaque maille. Ça glisse. Alors, faut faire bien attention ici. Ne sautez pas de maille. Il faut pas que ça tire, sans quoi le devant, votre demi-devant va tirer vers le haut. Ça, vous aurez un résultat qui est pas très joli. Donc, à chaque maille que vous voyez, vous rentrez au cœur de la maille. De façon à ce que ça ne tire pas, comme on va tricoter en côte 1-1, donc forcément ça va légèrement tirer. Et ici, regardez. Oh. Alors moi, ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 mailles. Ça me fait 13 mailles. Vous pouvez en avoir 14, 15. Et ensuite, on continue exactement de la même façon. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Dans chaque espace, je fais une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Une maille à l'endroit. Vous allez continuer ainsi tout le long. Regardez votre demi-devant, les mailles de la nuque ici au niveau du dos et votre deuxième demi-devant. Vous allez faire le tour. Si vous n'y arrivez pas, vous trouvez que ça vous fait trop de mailles sur vos aiguilles, ce que vous pouvez faire, c'est regarder. Venir jusqu'ici au milieu, par exemple, vous relevez des mailles jusqu'ici, vous tricotez une partie, ensuite, quand vous avez terminé, vous refaites la même chose. Cette fois-ci, vous partez d'ici, vous relevez vos mailles à partir de votre nuque, là où vous vous êtes arrêté, vous relevez des mailles tout le long et vous tricotez en côte 1-1. Au même centimètre que ce côté-ci. Si vous voulez faire 5 cm, vous faites 5 cm. Si vous voulez faire 4 cm, vous faites 4 cm. Et vous faites exactement la même chose pour l'autre côté et vous aurez juste une couture à faire ici au milieu. Moi, je vais essayer de tout regrouper sur mon aiguille et de tricoter toutes mes mailles. Donc, sur une aiguille, j'ai des aiguilles droites assez longues. Je passerai peut-être sur des aiguilles circulaires, je ne sais pas, on verra. Et vous continuez donc à faire une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, toujours sur l'endroit du travail. Donc, vous faites ça, soit jusqu'au milieu de la nuque, du cou, soit la totalité. Et ensuite, quand vous êtes sur l'envers, vous commencez à tricoter en côte 1-1. Autant de centimètres que vous désirez. Et ensuite, ça peut être que 2-3 centimètres en fonction de la largeur que vous avez faite pour le demi-devant. Donc, ça peut être juste 2 petits centimètres comme ça peut être. Moi, je pense que je vais faire comme notre bordure ici, 4-5 centimètres. Et ensuite, on rabat nos mailles et notre veste est terminée. Donc, je termine et je vous montre. Voilà, la bordure de devant est terminée aussi. Regardez, je vous montre le col et l'autre demi-devant, le bas et nos manches. Vraiment, les tricopines, la veste est vraiment superbe. Donc, vous choisissez les couleurs de votre choix. Moi, je ne sais pas pourquoi vous avez remarqué, mais j'aime beaucoup cette couleur. Donc, je l'ai utilisée à plusieurs reprises. Il me reste encore, je pense, 2 ou 3 petites pelotes. J'en avais acheté 8 en tout.
Du coup, il m'en reste encore 3 et je l'utiliserai certainement pour un autre projet. Donc voilà la veste, elle est vraiment, vraiment très, très jolie, très agréable à porter et comme vous avez vu, très, très simple. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Peut-être, je dis bien peut-être au niveau des diminutions, au niveau des manches, mais je pense vous avoir bien expliqué. Le reste, c'est vraiment le mariage du crochet avec le tricot. Donc voilà les tricotines et les tricopins. Vous pouvez l'adapter, donc comme je vous l'ai dit, à toute taille. Les couleurs, moi j'adore vraiment, vraiment la laine. Loco est vraiment très très sympa, elle est souple, elle est douce, elle est très agréable à crocheter et aussi très agréable à tricoter. Donc voilà, notre projet est terminé. J'espère que vous avez apprécié. Je vous montre ainsi au niveau du col. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et surtout, surtout les tricopines et les tricopins, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très très vite pour un prochain projet.